Salut, c'est Baron, et bienvenue pour un nouvel épisode de Return to Castle Wolfenstein Opération Résurrection. Voilà. Alors, ça fait pour moi quelque temps que j'ai pas tourné sur ce jeu. J'ai surtout fait du FF7 pour vous. Donc, je vais essayer de résumer un petit peu la situation. On est toujours dans le château de Wolfenstein. Ça y est, c'est ça, voilà. Et on doit s'échapper pour rejoindre un village dans lequel un contact nous attend. C'est un résistant allemand. Si je dis pas de bêtises. Donc on doit détruire tous les moyens de communication, trouver la station téléphérique. Ok, allez, on avance. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les autres gardes? Il n'y a plus personne. Le major a doublé la garde autour du site de fouille. On va essayer de se promener, de découvrir un peu par où il faut aller. Ah tiens. Il est tout seul ou pas, lui? Il semblerait que oui. Quoique, oui, lui c'est bon. Lui tout seul, c'est bien. Alors. Ah non, voilà. On doit pouvoir ouvrir, je pense. C'est pas ça? Oh, écoutez. Alors. Ouais, je crois que les mecs sont un peu en alerte. Pourtant, on est de ce côté-là du jeu, hein, mais. De fin du mur, je veux dire, mais bon. Alors, ça a ouvert quelque chose, mais quoi? Ah, je vois pas trop. Logique, je pensais que ça aurait ouvert cette grille-là, mais il semblerait que non. Bon. En tout cas, ça a déclenché quelque chose. Bon bah écoutez, pour l'instant, je vois pas. Ou alors, il y a une porte ici, peut-être sur le côté là-bas. Bon, on va avancer prudemment par là. Toujours personne, c'est bien. Et derrière ici. Alors, je crois que nous, on arrive d'ici de toute façon. Bon bah écoutez, tant pis. Hein. On va éliminer les mecs qui sont en bas, il doit y en avoir. Voilà, il y en a ici par exemple. Ah! Un peu plus. Oh zut, ça a déclenché l'alarme. Bon, c'est pas grave. Ah bah tiens, là lui. Là c'est bon. On va reprendre bah, notre bon vieux pistolet mitrailleur. Hein. Alors là j'ai ma manette qui hurle, vous voyez ça remonte tout seul, c'est un peu casse-pied quand ça fait ça. Bah tant pis, hein. On va devoir faire avec, de toute façon j'ai oublié de commander une nouvelle manette. Donc comme ça le problème il est réglé. Allez. On peut rien faire ici. Non, on peut rien faire, d'accord. On va voir si on peut. Ah, il est là. Voilà. Allez, on continue. Je vais en avoir un, bah tiens, encore un autre là. Nickel, lui j'ai eu assez rapidement. Ah non, il est pas mort. Écoute-toi. Voilà. Ensuite, on compte. Voilà. On avance. On récupère un peu de mule en même temps, c'est bien. Par contre, j'ai pas trouvé l'alarme pour désactiver. Parce que l'autre, il est parti par ici assez rapidement. Hein, donc, le boîtier d'alarme doit pas être très loin. Oh bah. Ah, il serait bien là-dedans. Non. Bon, il semblerait que non. Oh, bah alors. Bon. On va retourner voir par ici, peut-être là-haut.
pas, j'aurais été. Non, je serais surpris quand même que ce soit là. Bon bah écoutez, on avance. Allez, on verra bien. Alors, ce qu'on va faire un souci, si, un truc qu'on va faire, on va baisser un peu le volume de la musique. Hein. Je sais pas vous, mais moi ça me prend un peu la tête. Voilà, donc c'est bon. Ok. Allez, on continue d'avancer. Ah, il me semble que cette partie du château est un peu plus compliquée dans le sens où pour trouver la route, surtout. Hein. C'est. Voilà, uniquement, hein, c'est pas trop pour. C'est pas tellement la difficulté du jeu, mais c'est plus de devoir trouver sa route, c'est un peu plus tordu. Mais bon, ça reste quand même faisable. Hein. Alors, d'accord, toi. Il est mort. Impeccable. Ok, suivant. Allez, on avance. Je vais voir en bas. Est-ce qu'on peut passer ici? Ah oui, on peut ouvrir. Là, il n'y a rien de spécifique. Tiens, on va aller voir ce qu'il y a là. Je ne sais pas. On va y aller tranquillou. Bien que l'alarme est déclenchée, normalement, tout le monde nous attend. Hein. Ah, où est-ce qu'on est là? D'accord, bon, on était là tout à l'heure. Ok, bon là ça nous intéresse pas, on vient sur nos pas. Très bien. Ah si, tiens, celle-là. Donc, je pense que celle-là, ça va pas changer grand-chose non plus. Ah si, attendez là-bas. D'accord. Dessus ici, d'accord. Voilà. Et des fois je comprends pas, hein. Je veux dire comme on était bien dedans, on tirait bien dedans et pourtant. On se fait, voilà. On se fait en même temps le. Tout le matériel radio. Voilà. C'est pas assez encore. Voilà, impeccable. Premier objectif réussi. On s'est débarrassé de tout le matériel radio. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Trouver la station téléphérique. Donc j'ai dû déclencher quelque chose qui devait... c'est peut-être pour faire venir le téléphérique, ça. Ok, sinon... ici, rien. Oh là, tiens, une petite note. Ah, Oberfuhrer SS Blavatsky. De Oberst von Bülow. Les fouilles du site sont terminées, bien qu'il soit trop tôt pour l'affirmer avec certitude, nous avons de sérieuses raisons de penser qu'il s'agit de la tombe du chevalier noir. Voilà qui est le personnage qu'on a vu dans le cercueil, dans les précédentes vidéos. Nous demandons l'envoi immédiat d'une équipe d'exhumation. Nous attendons votre feu vert pour continuer les fouilles. Cordialement, Oberst Egal von Bülow, division paranormale SS. Alors. Rien de spécial derrière. Bon bah parfait, déjà ça c'est fait, on arrive d'où nous? Je sais pas si on arrive de là, on va en profiter, on va manger un petit bout, voilà. Ensuite, on doit arriver d'ici nous, voilà c'est ça. Hop, allez, ouvre-moi ça. Ici c'est non, ici c'est le notre point de départ quasiment, donc voilà, on repart par ici maintenant. Voilà. Donc ça c'est bon. Normalement on a fait. Oh là. Voilà, il n'y a pas le temps de dire ouf, très bien. Maintenant on monte. Est-ce qu'on peut ouvrir? Oui c'est bon. On va y aller tranquillou, pareil. Ah, plusieurs passages possibles. On va commencer par cette porte. Tiens donc. Personne. Personne? Nein! Ok. Alors.
Là, on prend ce qu'il y a dedans. Super, casque lourd, ça nous rajoute un peu d'armure. C'est toujours pour en prendre. Adolphe, on lui dit au revoir. Ok. Alors là, on va faire gaffe. Où est-ce qu'on arrive? D'accord. Ah, alors non. Je pense qu'on emprunte un... Ah, bah si, la porte, l'autre porte est là. On peut passer, pourquoi pas cette porte? Ok, d'accord, bon. Ça n'apporte rien de plus. Alors, on va descendre par là. Ici, rien. Oh, je crois qu'on nous attend. Il m'a semblé entendre... Ah bah. Ah, voilà, ça y est. On a déclenché encore l'alerte. Je pense qu'il y en a un qui est à droite dans cette pièce-là. Alors, il vient ou pas? Non. Il est intrigué, hein, je pense, mais il ne se déplace pas. Et ici? Bon, écoute, on va aller voir. On va... Par contre, on va faire gaffe quand même. Ah! Viens ici, mon petit. Voilà. Alors, ici, il me semble qu'il y a un secret. Il faut qu'on le trouve. Non, c'est pas ça. C'est pas ici? Ah zut, j'étais persuadé qu'il y avait un truc ici. Bon. Ah oui, vous voyez, ça peut s'ouvrir. Alors, c'est pas ça là? Non. Là non plus. Ah, j'étais persuadé que sur une des... Que sur une des barriques, on pouvait... Attendez. Non, il n'y a pas une brique, là? Non. Très bien. Bah, écoutez, je vois pas. Tant pis, tant pis. Allez, on sort. C'est pas grave. Donc, nous, on vient... Je sais plus d'où on vient. De ci, de là, de derrière nous. Ok. Voilà, on arrive là, tac. Bah. Alors, voilà. Bon, de toute façon, l'autre va nous arriver dessus, je suppose. Non? Il doit y en avoir un autre sur la gauche. Ah oui, il était par là. Il est là. Voilà. Oh, j'ai cru que c'était un mec, moi encore. Et je pense que... Oh. Hop, hop, je vais vous dire, il faut faire gaffe aux armures, parce qu'on peut se les prendre sur la tronche. Hop. Est-ce qu'on peut monter là? Je crois que non. Il faut trouver d'autres chemins. Bon. Ah, il y a encore un qui a déclenché l'alarme. Super. J'adore. Allez. Ah, quelle misère. Hop là, on recule un petit peu, le temps de recharger. Non, pas fait. Oh bah suite. Oh bah voilà, bravo là. Ce compère ressemble à disque caché maintenant. Voilà, parfait. Ok. Ça va, ça va. Ah non, ça c'est juste pour la porte, aucun intérêt. Je pense que ça déclenche ça, ça arrêtait l'alarme, mais non. Bon, on récupère des munes. Un peu de... Mais viens là mon petit, allez montre-toi. Montre au bout de ton nez. Voilà. La musique s'arrête, normalement ça veut dire qu'on n'a plus d'ennemis. Alors là, tac, y'a rien. Il faudrait qu'on trouve de quoi arrêter l'alarme. Ok, toujours rien. Là-dedans, rien. L'alarme, où est-ce qu'on l'arrête? Bonne question. Hein. Là, ça s'ouvre, très bien. Ok. Ah, attendez, c'est là. Voilà, parfait. Parce que ça prend un petit peu la tête quand même, leur truc, là, leur sonnerie, là.
Donc c'est sûrement par là qu'il faut continuer, je pense, hein, en tout cas. Une réserve que le... que l'on ne peut... Ah si, on peut l'ouvrir. Ah bah, j'ai rien dit, attends, ok, ok. D'accord, c'est cool. Et c'est tout, hein. Un peu de mun encore. Ouais, bon voilà, très bien. Hop là. Sinon... Ça s'est fermé, d'accord. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Qu'est-ce qu'on a trouvé? La station téléphérique. Donc non, c'est pas encore Verboten interdit. D'accord, attendez. Donc il faut peut-être y accéder d'une autre manière. En faisant droite. Non, on peut pas non plus. Bon. D'accord, on arrive de là, ça on peut pas l'ouvrir. Bah écoutez, il ne reste plus qu'un chemin à prendre. Hein. C'est celui-là. Voilà. Que se passe-t-il par ici? Rien. T'es où toi? T'es où? Ah, t'es là! Je l'avais pas vu. Ok, hop là, bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, un peu de mun, et puis un petit mot. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit mot? Ah oui, mais alors, le flingue me gêne pour lire le mot. Voilà. De secrétaire Gireg... Ouais, ok, bon, bref, Major Jürgen. Je suis parfaitement au fait de la directive 137 du Reichsmarschall. Et à vous de ne pas comprendre la raison qui vous pousse à me rappeler ces termes. Nous avons toujours opéré dans le plus strict respect de la loi et tous les objets qui ne sont pas considérés comme essentiels au projet sont diligemment transmis au bureau du Reichsmarschall. Soyez assurés que nous ne dissimulons aucune découverte et que le site n'est victime d'aucun pillage. Salutations, Major Wilhelm Jürgen, officier chargé de la sécurité, Château Wolfenstein. D'accord. Un peu de bouffe, ouais, ça va faire du bien. Ah tiens, lui. Allez, va-t'en, vilain. Hop là, voilà. Et maintenant, on continue par ici. Je pense qu'on approche de notre but. On va y tranquillou. On va là, il n'y a plus d'alarme. On va se déplacer tranquillement. Ouais. Allez, on ouvre. Bon, bah, ils nous attendent. Ok. Allez. Vous savez quoi? Hop là, il faut prendre ça. Voilà. On sort ces deux-là déjà. Voilà. C'est bon? Ouais. Déjà lui, c'est bon. Voilà. Je pense qu'on s'est débarrassé de tout le monde, très bien. Alors, c'est quoi ça? Je pense que c'est téléphérique. Mais on va aller voir par là-bas un petit peu ce qu'il y a. Alors, ici, rien de spécial. Caserne. Ah, il y a peut-être un peu de mun ou des trucs à récupérer là-dedans, peut-être du monde même simplement. Non, il n'y a personne, d'accord. Allez, on fait le plein. Voilà. Par contre, pas de... Non. Pas de casque. Pas de gilet pare-balles, tant pis. Ok, bon, bah écoutez, hop, on continue. Et on suit, voilà, ce chemin-là. Ah, ah, ah. Bon, il semblerait que j'ai loupé quelque chose, moi. Bon. Donc, ici, nous, on arrive de là-haut. Il faudrait qu'on puisse aller là. Et là, j'ai... Ouais, non, puis il n'y a pas de porte nulle part, là. Hein. Non. Si on va là-dedans, je vais retourner voir, mais si on va là-dedans, ça mène à rien. Bon. Alors, j'ai loupé quelque chose. Alors, il faut qu'on revienne en arrière. Oui, je vous l'avais dit que c'était un peu plus casse-pied, ce passage. Il est moins linéaire. Donc, il faut qu'on puisse passer là-haut, hein, en fait. Donc, il faut qu'on monte, qu'on arrive à monter. Voilà, tac. Là, ça va être par là-bas. Ah, bah voilà. Oh la vache.
Bon, on sait où ils sont maintenant. On sait par où aller. Il en reste un là. Putain, on va le chercher. Bon, écoute, on va pas s'embêter. On va se faire celui-là. Pourquoi s'embêter avec le dernier? Alors, on va le chercher quand même, si, si. Voilà, parce que de toute façon, il vient d'où. Donc, autant y aller. Alors, je vais essayer un truc, tiens, pour. Hop. Non, pas là, mais là. Est-ce qu'on peut. Voilà. Regardez. Tac, tac, tac. Hop. C'est ce que j'aurais pu faire tout à l'heure. J'avais pas tenté le coup. Voilà, comment ruser un peu. Bon. En faisant ça directement, on esquivait pas mal de choses. Hein. Allez. On continue par là. Donc, je suppose que c'est la bonne. Ah, attendez, c'est ça, il faut monter ici, je crois. Voilà. Hop, 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 hop. T'énerve pas comme ça, toi. Voilà. Aïe. Bon, de toute façon, t'étais mort avant de péter les chevilles, toi. Allez. On continue à monter. Du coup, c'est pas ça. D'accord. C'est plutôt celle-là, je pense. Hein. Non. Ah, non. Quoique, si, peut-être. Si, si, si. Ça doit être ça. En face. Du coup, ça doit être là. Toujours pas. Oh, bah zut alors. Ici. Voilà, c'est ça, non? Ah, il y a encore un mec qui nous attend là-bas. Ok. Il est mort ou pas, lui? J'ai pas l'impression, non. Regardez, il est encore dans le rouge. On va se décaler un peu. Voilà. Enfin. Très bien. On reprend le PM. Et là, on continue. On va un petit peu sur nos pas, quand même. Ah, tiens, t'en as un autre là. D'accord. Attendez, lui, on va se le faire différemment. On va reprendre le Mother, voilà. Il est où, lui? Alors? Voilà. Ok, ça c'est good. On s'est débarrassé de ce problème. On va pouvoir continuer. Oula, 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 oula. Oula, ça va pas, non? Où est-ce qu'il me tire dessus, lui? Ah, il était caché derrière, donc pas fait. Quel enfoiré. Eh, vous avez vu, j'ai quasiment plus de vie. Je vais me dépêcher de... Hop. Non, tac. Mais non, je fais quoi, moi? Voilà. Hop, je vais peut-être faire un petit retour arrière, voir si je peux récupérer un petit trousse de secours, quelque chose comme ça, là, à la proximité, parce que avec 33 de vie, je vais pas aller très loin. Alors, vous savez ce que je vais faire, je vais même sauvegarder d'abord. Alors, je vais voir si on trouve vite fait sous la main un... Là, non. Une petite trousse de secours et... Waouh, on n'a rien ici, hein. C'est bizarre ce truc là, pareil, ce meuble qui est là. Bon, enfin bref. Là, il n'y a que dalle. Ici. Oh, il n'y a rien non plus. Ah, tiens, oui, voilà. Hop, une trousse. C'est pas beaucoup. Enfin bon. De toute façon, comme j'ai sauvegardé, ce ne sera pas un problème. Si jamais je me foire, on pourra toujours. Je pourrai toujours reprendre le jeu. Sans trop m'inquiéter. Alors. On a ça ici, non? Je pense que c'est ici qu'il faut aller. Voilà, c'est ça. Ça devait être fermé à l'origine. Et ah non, je crois que je suis arrivé de là, moi, en fait. Alors, on va y aller doucement. Oui, c'est ça, on arrive... De... Ouais, non, voilà, c'est bon. Je suis sur le bon chemin. C'est le fameux pont. Les mecs, ils étaient... Voilà, moi, j'étais ici tout à l'heure. D'accord, parfait. Ah, pour récupérer ces mines-là, voilà.
Alors méfiance. Personne nous attend, très bien. On peut passer là? Non, on peut rien faire. Ok, là, il n'y a rien. Là-dessus, ici, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je ne sais pas, on peut pas ouvrir. Ici, hop. Je crois qu'on approche du, voilà, du but. Voilà, on descend. Et on s'approche tout doucement du téléphérique. Voyons ça. Hop là. Ah, voilà. Hop là, zut, je suis allé trop vite. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, on a 0 secret sur 4 et 0 trésor sur 7. La misère. J'ai vraiment pas joué correctement. Mais enfin bon. Voilà, bah écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui, hein, évidemment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai eu du mal à me remettre dans le jeu, moi je le sentis, j'ai eu du mal à me remettre dans le truc. J'ai pas joué superbement bien. Ok, bon en tout cas, je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.